Bonjour à toutes et à tous, c'est 101%. Et dans ce 101%, il va y avoir plein de bonnes choses. Il va y avoir la minute du geek, il va y avoir une critique de jeu Dragon Ball Z Burst Limit, Tokyo Café, bien sûr, puisqu'on est mercredi. Et il va y avoir aussi un invité. Mais je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise. On regarde les news. Le Portugal va gagner l'Euro de football qui se déroule actuellement en Suisse et en Autriche. Non, ce ne sont pas des prédictions personnelles, c'est Electronic Arts qui l'annonce. Comment l'éditeur américain sait-il une telle chose? Eh bien, c'est grâce à son jeu UEFA Euro 2008. EA a en effet simulé la compétition dans son intégralité via son jeu, avec les 16 équipes ainsi que les groupes répartis comme dans la réalité, et le résultat, c'est que le Portugal battait l'Italie en finale 2-1. Bon, le gagnant est plausible, mais on doute tout de même d'une issue aussi favorable pour l'Italie, qui est bien mal embarquée dans la compétition au moment où l'on écrit ces news. Après Dawn of Sorrow et Portrait of Ruin, Konami planche actuellement sur un troisième épisode DS pour la série Castlevania. Son nom ? Order of Ecclesia. Comme l'existence du jeu a été annoncée il y a peu, les informations le concernant restent pour le moment peu nombreuses. On sait tout juste que le joueur incarnera Shanoa, une jeune femme, et que la date de sortie du jeu est prévue pour la fin de l'année, au Japon tout du moins. On savait déjà que le service WiiWare accueillait des jeux originaux au sens propre comme au sens figuré. Mais parfois, l'imagination des développeurs surpasse de loin la nôtre. La preuve avec Uchide Mugen Puchi Puchi, édité par Namco Bandai Games. Il s'agit tout simplement d'une sorte de puzzle game reprenant le système du petit jouet permettant de crever des bulles de papier d'emballage. Il faudra ainsi tenir la Wiimote à l'horizontale et tapoter sur le bouton 1 pour crever les bulles et faire des chaînes pour marquer un maximum de points. A priori, il y a très peu de chances que ce jeu arrive chez nous et c'est bien dommage. Voilà, juste avant de regarder la critique de jeu Dragon Ball Z Burst Limit, nous allons en savoir un peu plus sur l'invité qui est à côté de moi. Donc, je te laisse te présenter au public. Voilà, donc bonjour, je suis Franck, alias Nuzul sur le forum. Voilà, et tu as une passion dévorante. Un petit peu, oui. Voilà, qui est rare. Ouais. Très rare, je dirais même. On n'est pas beaucoup. Ouais. Ouais, vous n'êtes pas beaucoup. Tu engranges, tu... Une encyclopédie est en cours. Ouais, ouais, d'accord. Bon, on n'en dit pas plus, on va teaser un petit peu. Tant que tu es là, j'en profite pour te dire qu'il va y avoir Japan Expo sous peu. Ouais. Et à Japan Expo, il va y avoir les gens de Nerds qui vont dédicacer le coffret DVD le jeudi et le dimanche. Et le reste du jour, tous les jours à 16h, vous allez pouvoir jouer contre les personnages de Nerds au lapin crétin. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Mais regarde... La critique de jeu Dragon Ball Z, puisque, à mon avis, il y aura plein de trucs Dragon Ball Z aussi à Japan Expo, et ça s'appelle un enchaînement en télé.
Les jeux Dragon Ball commencent à se suivre et à se ressembler. La trilogie Budokai Tenkaichi vient tout juste de finir qu'un nouvel épisode sous-titré Burst Limit fait son apparition. Cela fait pas mal de temps que les fans se rassasient tous les ans avec une nouvelle mouture de Dragon Ball. Et tous les ans, le Dragon Ball nouveau arrive sur nos consoles. Mais à trop vouloir en faire, est-ce qu'on n'en fait pas parfois un peu trop ? Dragon Ball Z et les jeux vidéo, c'est une longue histoire d'amour. Cela fait déjà 20 ans que cette saga a été retranscrite en jeux vidéo. Et pendant ces 20 ans, on a eu du bon, du moins bon, du meilleur et du encore moins bon. On se rappelle tous que la licence s'est plus ou moins essoufflée après la diffusion télévisée. Mais le public américain, découvrant beaucoup plus tard la série chez eux, de nouveaux produits dérivés ont vu le jour. Et l'un de ces derniers n'était autre que Dragon Ball Z Budokai sur PlayStation 2. Plus qu'un simple produit dérivé, il a permis à toute une génération de découvrir les aventures de Goku et comparses. Le succès étant énorme, on a vu débarquer tout un tas de suites, dont le fameux Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, qui innovait avec un tout nouveau gameplay. La vue se faisait à la troisième personne, ce qui permettait aux joueurs de s'intégrer encore plus efficacement dans cet univers. De plus, les versions Wii, bien que souvent critiquées, amplifiaient purement et simplement cette immersion avec la reproduction des gestes à la Wiimote. Mais ça, c'était le temps du Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, un temps révolu puisqu'apparemment les séries Dragon Ball Z vont par trilogie. Et c'est donc aujourd'hui qu'arrive la toute nouvelle série sur les consoles les plus puissantes du moment. Et il s'agit de Dragon Ball Z Burst Limit. Dragon Ball Z Burst Limit fait table rase du passé et propose un gameplay se rapprochant plus de Budokai que de la série Tenkaichi. En effet, le jeu se déroule sur un plan 2D, classique au jeu de baston. Dans le menu, on trouve le mode histoire. Ce mode propose donc de revivre la saga de Raditz jusqu'à Cell. Chaque parcelle d'histoire est découpée en sagas, la saga Saiyan, la saga Freezer et la saga Cell. Avant chaque combat, une cinématique est lancée, mettant en scène les persos, l'ambiance et l'histoire. Le combat se termine, on s'en doutait un peu, par une cinématique clôturant un chapitre pour en débuter un nouveau. Il peut aussi y avoir des chapitres alternatifs qui apparaissent au cours de l'histoire. Il est d'ailleurs possible de choisir son niveau de difficulté, ce qui n'entache en rien la bonne marche du scénario. De ce fait, il sera possible de tout finir en très facile. Mais ce qui nous intéresse dans ce genre de jeu, c'est avant tout la baston. Dans les combats, les 4 boutons sont mis à disposition. On en trouve un pour les attaques physiques, un autre pour les smash, un pour la garde et le dernier pour les vagues d'énergie, les Kikoa. Il faudra effectuer des suites de touches afin de réaliser des enchaînements et des attaques spéciales. Par exemple, en appuyant sur gauche et rond, on déclenche un gros Kikoa, alors qu'en appuyant sur haut et rond, on déclenche un Kikoa ultime dévastateur. Les gâchettes servent à déployer l'aura et à faire exploser sa puissance pour les transformations type Kaioken ou Super Saiyan. Mais tout ça, le joueur de DBZ connaît bien. Ce que l'on cherche ici, c'est la nouveauté. Eh bien, dans Burst Limit, ce sont... les cinématiques. Ces cinématiques sont choisies dans le mode histoire afin de bien faire respecter le scénario. Et le joueur peut choisir ses propres cinématiques en combat libre. Oui, mais à quoi servent-elles ? En fait, elles remplacent plus ou moins les capsules que l'on pouvait trouver dans les jeux précédents. Chaque cinématique peut être un bonus pour le joueur ou un malus pour l'adversaire. Par exemple, un soutien peut à tout moment venir prêter main forte à un personnage. Il est aussi possible de se renforcer, se régénérer, etc. Par contre, pour les déclencher, c'est un peu plus chaotique, puisqu'il faut remplir une condition. Se prendre un Kikoa de plein fouet, n'avoir plus qu'un tiers de sa barre de vie, etc. La cinématique se déclenchera alors automatiquement et le combat est interrompu le temps de cette scénette. Les joueurs se retrouveront alors au milieu du champ de bataille avec leurs nouveaux attributs, une aubaine pour certains, une déveine pour d'autres. Malgré le cassage du rythme de combat, ce système apporte un côté plus réaliste car plus proche du dessin animé. Il faut reconnaître que ce Dragon Ball Z Burst Limit arrive un peu comme ça sans vraiment être attendu par les fans. Il a toutes ses preuves à faire et a même pour lourde tâche d'essayer de faire oublier les Tenkaichi.
Pour rappel, Tenkaichi 3 proposait plus d'une centaine de personnages jouables. Il est vrai que malgré cette centaine, chaque personnage possédait quasiment la même palette de coups. Ce qui donnait l'impression de choisir son chouchou, comme disait Ariane, et de ne pas vraiment changer sa façon de jouer. Eh bien, dans Burst Limit, c'est exactement la même chose avec un cast super limité. Seulement une vingtaine de persos sont ici disponibles. Et on pourrait penser que ce choix s'explique par une maniabilité propre à chaque personnage. Eh bien, même pas. Les Super Smash et les plus puissantes attaques Kikoa s'enchaînent de la même manière avec tous les persos. De plus, la perte de cette vue à la troisième personne pour revenir à un plan 2D façon jeu de baston nous donne l'impression de régresser. Heureusement qu'on est sur une machine dernier cri, car sinon on pourrait se croire revenu au temps du premier Budokai. D'ailleurs, le jeu s'arrêtant à Cell, on peut aisément en déduire qu'il faudra attendre de suite pour pouvoir couvrir toute l'histoire de Dragon Ball, et cette pilule a aussi un peu de mal à passer. On imagine très bien que dans 2 ans sortira Dragon Ball Z Burst Limit 3 avec ses super trucs de la mort et 1 milliard de nouveaux persos. Et là, on a vraiment l'impression d'être pris pour des vaches à lait, et tant va la cruche à l'eau sacrée qu'à la fin, elle se casse. Pour résumer, Dragon Ball Z Burst Limit n'est pas mauvais en soi, mais il a juste quelques années de retard au niveau de son gameplay. Il est vrai que la nouvelle fonctionnalité cinématique le rapproche encore plus de dessin animé. Mais qu'est-ce qu'on reprochait justement à ce même dessin animé? Le blabla. Eh bien ici, ça blabla tout le temps. Vas-y que je te donne un coup et que, bah moi en fait j'étais qu'à 75,13% de ma puissance. Et patati et patata. Et parfois ça manque carrément de cohérence. Par exemple, on se bat avec Piccolo, une de ses cinématiques se met en place et il fait repousser son bras. Alors que son bras n'était pas coupé juste avant. Pareil lorsque l'on finit un match dans les airs. Le perdant se retrouve en train de flotter dans les vapes et puis environ 3 secondes après, il tombe violemment avec un bruit d'avion de chasse et toujours au même endroit. Sur Namek, on tombe ainsi toujours devant le vaisseau de Freezer, toujours. Et puisqu'on parle des stages, il faut souligner qu'il y a plus de stages venant de Dragon Ball que de Dragon Ball Z. Ça fait quand même un peu tâche de voir Piccolo et C-17 se battre devant la Kame House sur l'île d'entraînement du volume 3 du manga de Dragon Ball. Un anachronisme d'une dizaine d'années quand même. De plus, les moments intenses de l'histoire sont passés à la trappe. Il n'est plus question de voir Trunks découper Mecha Freezer, ni même de voir C-19 et C-20. On passe de la saga Namek au combat entre Vegeta et C-18, pouf, c'est de la magie. Et puis Dragon Ball Z accuse une censure assez étrange. En effet, dans les phases de violence, l'écran devient noir, il y a un effet pyrotechnique, semble-t-il emprunté au Puits du Fou, et après, on voit l'adversaire ayant subi le dégât. Tout cela pour dire que Dragon Ball Burst Limit ose les montrer, ses limites. Et il ne tient clairement pas la route face à un Tenkaichi 3. Ce jeu pourra plaire aux nostalgiques de Budokai, le vrai fan, lui, ne pourra se sentir coutré par un tel non-respect de l'œuvre originale, et de toute façon, il attendra 2 ans pour se procurer le Dragon Ball Z Burst Limit 3. Il y a la Minute du Geek, juste après la Minute du Geek, sur l'histoire de Bit. Histoire de Bit, alors... De Byte, peut-être. De Byte, je pense, oui, ouais. À l'anglaise. Mais alors, on va pas teaser plus longtemps. Toi aussi, tu es un geek. Tu es un geek de quelque chose, donc, comme on disait tout à l'heure, d'extrêmement rare. Tu es un geek très rare. Ouais. Tu aimes Une Minute pour Parler d'eux. Non, j'adore Une Minute pour Parler d'eux. D'accord. À ce point-là. Donc, tu m'as envoyé des mails. En fait, on s'est même parlé à cause d'Une Minute pour Parler d'eux, je crois. Ouais, non, tout à fait. Ouais. Et tu es fan ultime d'Une Minute pour Parler d'eux. Et j'ai envie de dire, comme plein de gens, pourquoi? Pourquoi? Bah, pour plein de raisons. Parce que ça me rappelle beaucoup des proches avec la minute de Monsieur Cyclopète. Et puis, c'est un humour tout le temps renouvelé. Alors, je pense que des tonnes de gens sont chez eux. Renouvelé, mais c'est tout le temps pareil! Mais non, non, c'est jamais pareil. Jamais le même sujet, jamais les mêmes intros, jamais les mêmes punitions. Ah bah, vous êtes combien à être fous comme ça? Alors, je pense qu'on est une dizaine, valide. Oui. Et après, avec les maisons de retraite, ça peut faire beaucoup plus. Ouais. D'accord. Comme ils ne peuvent pas changer la chaîne. On avait compris. On va regarder la Minute du Geek avec Monsieur Pirou. C'est quoi? Quoi? Tu sais, les disques durs? Ouais, les vinyles, les 33 tours, les 45 tours. Non! Les disques durs, les cerveaux des ordinateurs. Ah ouais, je connais bien. Bah, tu sais, ils les vendent. Et ils disent, 200 gigas. Mais tu le mets dans ton ordinateur, tu le formates,
Et après, t'as que 180 gigas. Oui. Et ils sont où les 20 qui manquent? Ah, ça, tu sais pas, c'est Big Brother, ça, ils t'ont piqué. Non, ils te mentent. Ils disent 200 gigas, mais en fait, ils te mentent. Objection! Nombreux sont ceux qui ont remarqué que lorsqu'on achète un disque dur d'une capacité, disons, de 160 gigas, le système d'exploitation ne vaut au final qu'un disque de 145 gigas, soit une différence de taille d'environ 7%. Cela a même valu au fabricant de disques durs Seagate un procès en 2005, qui s'était conclu par un arrangement à l'amiable. Mais quelle est donc l'explication de ce mystère? Bien, il faut savoir que les fabricants de disques durs calculent la taille de leurs disques sur une base décimale, en d'autres termes, 1 kilobyte égale 1000 bytes. C'est évident. Mais pas tant que ça, parce que les systèmes d'exploitation, eux, calculent en base binaire, et donc pour eux, 1 kilobyte égale 1024 bytes. Et donc ça change totalement le total de kilobytes. Mais ce sont les systèmes d'exploitation qui sont en tort, puisque logiquement, ils devraient utiliser comme dénomination les unités conçues spécifiquement pour désigner les mesures binaires. Et donc 1024 bytes devrait être nommé un kibibyte et pas un kilobyte. Windows est donc un menteur, le vilain. Enfin, dans tous les cas, ce n'est pas la taille de la byte qui compte. On revient. Ah bah oui, bah oui. C'est un travail, hein. Ah oui. Ah moi, j'ai appris à ne pas transpirer. Oui, tu retiens ça. Life. Oui, je retiens ma transpiration. Mais par contre, après, je la fais pipi. Ah. Voilà. Alors, il y a Tokyo Café, maintenant. Donc, tu connais Tokyo Café. Oui, oui. Mais tu préfères une minute pour parler d'eux ou Tokyo Café? Attention, Alex Pio, qui est là, réalise l'émission. Alors, je réalise une minute pour parler d'eux. Ouais. Alors, en coupant le micro, je dirais que je préfère une minute pour parler d'eux. D'accord. Connaissant déjà très bien le Japon, c'est vrai que j'ai plus à découvrir dans une minute pour parler d'eux. D'accord. Non mais c'est vrai, tout est dit sur le Japon, tandis qu'une minute pour parler d'eux, tout est à dire. Tout est à dire, c'est vraiment une inconnue complète à chaque fois, c'est vraiment un... Mais pour nous aussi. Oui. C'est ça qui est bien. Et ça ne se voit pas. Ah ben... Ça ne se voit pas. Non, vraiment, c'est un travail de fourmi sur l'avancée de l'humanité. Vraiment, c'est... Et tu enregistres en plus pour de vrai. Ah oui, j'enregistre, je prends des notes. Non, vraiment, c'est très important. Vrai, tu as réveillé quelqu'un au milieu de la nuit, chez toi, pour faire regarder un minute pour parler de... Ah oui, ben, il ne faut pas le louper. C'est impossible de louper ça. C'est ça, tu as réveillé ta copine, c'est ah ça oui, pour... oui, parce oui. qu'il y en a un qui t'avait fait rire. Ah oui, oui. En fait, j'avais ri trop fort. Donc, c'était celui sur l'apartheid. Apartheid. Voilà. Attention. En deux mots. Voilà. En trois même. En trois. Et je pense que je ne m'en remettrai jamais. C'est, d'accord. C'est pour moi quelque chose qui est un humour mythique. D'accord. On va regarder Tokyo Café. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. J'étais au Japon, alors, No Life no minna ni Sabuoji Japan wo tanoshinde morau to omotte iroiro okaimono shite kimashita. Kyou minna ni chotto tanoshinde morau to omotte, jajan, minasan ni atsumatte moraimashita. Suzuka rule wo tsukurimashita. Suru ikki yatterube, nani de dekitte ru ka mitsuketara, anpoan ga ne. De, zenbu, tsumonji dattara, onko? で最後まで一番ガニエした人がデザートを食べる権利がありますさあみんなで日本の味を楽しもうマグロチーズフランスでも一般的に食べられているトンとフォーマージュを合体させた日本のおつまみですアミューズング夜です簡単簡単さあボナペッティNe me regardez pas ces yeux. Ça va. Aussi. Vraiment. Je pense que c'est. Qu'est-ce que c'est? On dirait un peu de châtaigne. Ah, zanen, ce châtaigne n'a rien. Vous nous voici. Il y a du fromage dedans. Oui. Oui. Ouais. J'ai un demi-point déjà. Non. C'est du fromage avec des trucs. Cheese to maguro.聞いちゃったね、あなた。今日はね、ラカーブさんに、セルイルフェイルコントでフォアです。梅干し。日本の代表的な食べ物として超古入な梅干し。
プリムを塩漬けした後日干しした酸っぱい食べ物です。ちなみにジュレンパトロ出します。これね、簡単簡単簡単。C'est très bon. Moi, je sais déjà ce que c'est. だよね、結構ね、有名、ポピュラーですからね、これはね。Merci. なんかみんなリアクションして、リアクション、リアクションして。おいしい。Ça pique un petit peu. おいしい。あれ、tu es habitué de manger ça?Château. C'est un fruit? Oui. Quel fruit? De la prune salée marinée. C'est très salé. Mm-hmm. Vous m'ébauchez? Mm-hmm. Et maintenant c'est... Mina seikai desu! Kombu ame. Wa no bonbon. Tsutsumi wo akeru to umi no kaori ga shimasu. So, algu no bonbon nano desu. Dewa...ちょっとね、酸っぱかったので、ボンボンを出したいと思います。さあ、はい、ボンボンです。これ一人二つずつあるからね。あれ、ミュエットになっちゃいましたね、皆さんね。すごい美味しい。美味しい、うん、どんな味？ケルサブ？ケルケルグ？はい、ケスキステ。味がない。煮干し。小魚を煮てほしい、薄甘く味付けしたもの。カルシウムが豊富です。さあ、美味しいよ。食べかないで。はい。これ手でいいよ。ブプベモンジアベクレアベクレアベクレドア。うん。Avec la tête. Faut pas regarder et en fait c'est très bon. Je regarde pas. Je regarde ailleurs. Je regarde Suzuka qui est très jolie et je mange. 食べないで。痛いよ。痛いよ。美味しいね。かどうかがポアンになりますね。Celui qui te mange, qui peut terminer, sera un mandat d'un. Il peut y aller. J'aime pas beaucoup le poisson en fait. Mozuku. Mita mamma, so algu des. Mozuku wa su ni aete aru tabemono de kori kori to shita shokkan ga tanoshimemasu. Tsugi. Saa, kochira. Dozo. Tabete kudasai.Je ne sens pas grand chose. En Afrique, vous avez mangé un truc un peu gluant comme ça aussi. J'ai vu la même chose dans le siphon de ma baignoire. Et comment est-ce que, minasan? Minasan! Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu gluant, mais appétissant. Momiji taco. Kotako a mazupaka a dizuke shita ippin desu.プループの姿がそのまま楽しめます。外人には難しいもの出しますよ。こちら、うん、はい、どうぞ。はい、はい、皆さん、さん、はい、揃ってオンサンブル、さん、はい、はい、正解です。正解です。綺麗なのがハーモニーでした。ハーモニーも素晴らしい。さあ、こちらちょっと食べていただきましょう。はい、どうぞ。可愛いですよね。もう一回、もう一回いきますよ。はい、何だったでしょうか。プルプル。思います。どうぞ。Le dernier c'est Clem avec 15 points. Oh. Non, en fait, je me suis trompé, je n'ai pas compté. La dernière c'est Caro avec 12 points. L'avant-dernier c'est Clem avec 15 points.Le second, Benoît, avec 16 points. Et le premier, le grand challenger, Fred, avec 18 points. Tu veux enlever des points parce qu'il a bu. Il a bu. Il a bu, il a perdu des points. Hiyoko manju. Gâteau de Poussin. とは言っても、もちろん Hiyoko は使われておりません。Hiyoko の形をした甘さを抑えた和菓子です。まあ、お一つどうぞ。
c'est bizarre la forme. C'est un peu... Kyoko desu, Kyoko. Ah, pardon. Kyoko desu. Je voyais une chose. Tu fliki. Bravo Fred. というわけで今回4人集まってもらいました。次週に続く。それではコンプレイ。 101% est terminé. Franck, merci d'être venu témoigner sur l'antenne de No Life. À visage découvert. À visage découvert en plus, oui, tu n'es pas mosaïqué, ça c'est... On t'a demandé, hein, et t'as refusé. Ouais. Ça, non, je pense que, comme des grands combats dans la vie, certaines personnes doivent pouvoir se battre pour leurs idées. C'est bien. Et voilà, j'ai fait ce choix-là, qui va sûrement me coûter très cher, mais j'ai fait ce choix-là. Bah écoute, si des gens t'agressent, envoie-moi un SMS. Je voulais t'annoncer, devant tout le monde en même temps, il y a des chances qu'une minute pour parler d'eux s'arrête définitivement à la fin, au départ en vacances de No Life, le 13 juillet. Plus personne nous croit maintenant, hein, c'est... Non mais là, Alex, oui, on l'a déjà fait une fois, effectivement, mais là, je pense que c'est vrai. Voilà, mais... on est en train de se dire qu'on va, avec Didier, qu'on va arrêter une minute pour parler. Et quel sera l'intérêt de regarder 101%?